Et tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en administration, vous allez voir qu'on est tombé sur pas mal de trolls et du coup pas mal de bans, mais surtout le retour des vidéos preuves, c'est-à-dire que les gens ont règle de leur côté ce qui s'est passé, et malgré les preuves, vous allez voir que certains n'assument vraiment pas. Mais avant de commencer, petit instant avec Instant Gaming, justement mon partenaire. Mais encore une fois, je voulais vous préciser que avec Instant Gaming, vous pouvez gagner tout simplement le jeu de votre choix. C'est bientôt la fin du concours, donc du coup le lien est dans la description. Il y a un jeu à gagner par mois, vous avez juste à mettre le jeu que vous voulez. Et si vous êtes tiré au sort, vous allez le gagner. Et bien sûr, si jamais vous voulez faire des achats sur le site, tout simplement en payant les jeux moins chers, vous avez juste à aller dans la description aussi. En achetant avec mon code, je récupère une petite partie pour moi, et ça fait toujours plaisir. En tout cas, je compte sur vous, un maximum de likes pour cette vidéo admin, si vous avez kiffé et si vous voulez en revoir sur la chaîne. C'est parti, let's go. Bonjour. Tu t'es fait tuer sans aucune raison? Oui, devant la mairie, oui. Par un garde de sécurité. Je peux savoir pourquoi tu tues les gens? Parce qu'il m'insulte, il m'insulte. Mais depuis quand je vous insultais? Il a insulté personne. Non, pas lui, pas lui. Bah tu l'as tué? Non, pas lui. Lui j'ai tué sans faire exprès en fait, parce que j'étais tiré sur le l'agent de sécurité. Dis ouais, toi dégage, t'es une salope, t'es pas le garde du maire. Ouais. Si c'est lui que t'as tué. Je t'entends, ouais. Il t'a tué et il dit que c'est parce que tu l'as insulté ou je sais pas quoi. Non, c'est le garde du maire. Je l'ai pas insulté. Eh mais toi, juste une question, toi pourquoi t'es là, tu racontes ta vie, tu dis que c'est moi qui t'ai insulté. J'étais devant le maire et t'es là, tu me one shot avec ton pistolet. Ferme ta gueule, tu me laisses parler. Je coupe pas la parole quand je te parle. Toi, salope. Oula. Salope. Je suis mes gardes du maire, tu menaces là. Là, il me coupe la parole. Mais c'est pas lui, hein, c'est pas lui qui t'a balancé. Ouais, je te coupe la parole parce que tu fais chaud. C'est lui là. C'est lui là. Tu m'en souviens. C'est qui devant moi là? Attends. L'admin, c'est qui là? Je suis en train de bégayer. C'est celui qui est à ma droite ou à ma gauche? Ouais, tu bégayes parce que tu es pris avec son flingue. C'est celui qui dit que tu l'as. C'est toi ici là. Ok, c'est. Alors, regarde. S'il te plaît, tu vas me laisser parler. Merde. T'as vu, j'étais devant la mairie, à l'intérieur de la mairie. Et j'étais avec le maire. Ouais. Et il est là avec son pistolet, il me tire dessus, Ray. Et je lui ai rien fait, hein. Il m'a enchaîné. Regarde, je vais dire exactement combien de balles il m'a tiré. 4. Ouais, mais c'est bon, sais, toi qui étais garde du maire. Je sais que t'es dans les logs. Mais je lui ai rien dit, je lui ai même pas adressé la parole. Pourquoi il te minique comme ça? De toute façon, regarde, tu peux voir la killcam. De toute façon, moi je lui ai rien dit. Je lui ai pas adressé la parole, il me tue gratuitement, wesh. Il est ouf, lui. Moi j'ai rien fait dans l'histoire, j'ai rien fait. Juste mets-toi en tête que j'ai rien fait. C'est tout. Jean-Marc, pourquoi moi gros j'étais là quand, j'étais dans la mairie, il est venu enchaîner 4 balles de pistolet. Était pas à côté. On sait que je l'ai tué, mais je sais pas c'est qui. C'est celui qui parle devant toi là. Attends, ferme ta gueule, laissez-moi tirer sur l'autre sans faire exprès. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Tu dis comment je t'ai insulté alors que je t'ai pas insulté. Ferme ta gueule, tu ne sais pas la phrase. Ferme ta gueule, ça. L'admin, je te parle. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Merde, mais lui un warn là. Voilà. Regarde, moi je te dis juste, j'ai rien fait. Khlas, c'est tout. Je lui ai pas parlé, je lui ai rien dit. Je peux même pas expliquer ce que. Je peux même pas raconter ce que t'as fait, gros. Oh, mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule, c'est moi qui parle. Tu m'inique comme ça. Tu peux arrêter de parler mais sans ta insulter. Gueule, toi. Voilà, dis-lui qui. The beat, t'es là, tu veux jouer RP, tu veux jouer proprement. Normalement, t'as des fils de pute. Ah, ça fait du bien. Voilà. Hop, merci. On en parle plus, hein. Merci. Et quoi, tu es comme ça, Verdo? Les gars, je suis désolé, mais ma gentillesse a des limites. Hop, c'est fou l'insulte, tu fous l'insulte, ça dégage. Genre vraiment, mais t'arrêtes, bon sang, tu me suis? Ouais, ouais, il m'insulte, il veut pas me suivre, il fait du no fear, ouais, ouais. Monsieur m'arrête, sans aucune raison, littéralement, je me fais fritaz. Y a rien, vraiment, je me fais overtaz pour vraiment aucune raison. Ah bah, c'est bon, y a un supérieur. De pourquoi tu l'arrêtes? Pour refus d'obtempérer. Ok, refus d'obtempérer par rapport et à. Et vol de véhicule sur. J'ai refusé. Je t'ai pas demandé de répondre. Vol de véhicule et refus d'obtempérer, ok. Toi t'as quoi à dire par rapport au vol de véhicule et refus d'obtempérer? J'ai jamais volé de véhicule et j'ai pas non plus refus d'obtempérer. Lincoln, t'as un rec, c'est ça? Ouais, j'ai des recs. Donc là, il a sa skip, il avait volé un véhicule. Et puis là, tu vois, là, ils sont en train de se... il a avec ses poings, il est en train de frapper l'autre, là. Ouais. Donc le chien, il sort. Donc là, on court, le chien, il le... Ouais, vas-y, chope-le. Donc là, je vais là, je le retase une dernière fois. Là, c'est la bonne. Ok, donc là tu le tases, ok. Donc là, là. Mais pourquoi là, de base t'es parti l'arrêter en fait? Ça, je comprends pas. Parce qu'il a agressé premièrement une personne et deuxièmement parce qu'il a volé un véhicule de police après les collègues. On le voit agresser. What, tu fous quoi là? On voit agresser les gens, ouais. Ça je suis ok. Et puis là, il a sorti son Makarov là entre temps.
Là, je sors mon arme létale parce que j'ai eu peur. Et puis là, il nous fire complètement. Ah oui, ouais, on a fait, ok. Ouais, ok, c'est bon, j'arrête de regarder. Et après, il me. Ouais, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Vas-y. Complètement nos fire puisque t'as sorti ton arme alors que tu venais de prendre un coup de taser. Et en plus, après, quand t'es menotté, tu te barres alors que t'es pointé par une arme non, létale. Non, je l'ai sorti avant le coup de taser. Non, pas avant parce que j'ai vu la vidéo. Donc alors, attends, monsieur le papillon, je peux parler s'il te plaît. Et deux secondes, et ensuite je t'explique donc la raison de pourquoi il t'arrête. Il t'arrête pour une agression sur civil. Et en effet, on te voit taper une personne dans la rue juste à côté, juste en face du commissariat. Pas envie de faire le mec mauvaise foi ou quoi? Bah, en tout cas, pour moi, c'est sûr et certain qu'il y a no fear, tu vois, de ta part. Parce que t'es braqué par une arme et tu te barres, tu vois, alors que t'es menotté, tu vois. Il insulte aussi. Alors, on n'a pas le droit d'insulter la... Oui, j'ai insulté parce que insulter t'étais vraiment pas compréhensif. Oui, bah, pas insulter les désolé, parents. Hein. Il peut pas être compréhensif, je suis désolé. Pas à toi de réagir comme ça, tu dois faire un ticket dans ce cas-là. Effectivement, ouais, mais là, non, mais le ticket, je le fais après la scène. No fear et insulte et terminé, voilà. Ok, bon, j'avoue. Adrien le chien là. Ouais. J'ai des plaintes sur toi comme quoi tu parles trop en chien, donc si tu pouvais faire plus la fois et moins parler, ce serait cool. Yeah, ok. Bon, okay. C'était tout à l'heure en attendant. Ouais, mais comment je peux le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Je peux le dire en chat et textuel. Tu peux genre j'écris un slash me, ouais, slash me, mais. Ok. Mais en vrai, tu peux dire de quelques mots, mais juste parle pas trop quoi. Ok. C'est lui du coup le troll. Ah ouais, troll, insulte parentale, il me fonce dessus comme jamais. Insultez ma maman. Bonjour, je sais pas pourquoi tu trolls et pourquoi t'insultes. T'es un prank. T'es un j'ai prank. J'ai rien fait de mal, hein. Ça fait quoi du coup? Pourquoi c'était un prank? C'était quoi ton prank? J'ai fait de mal à personne. Mais c'était quoi ton prank? C'était de voir la réaction quand je rentre en voiture. Attends, je crois qu'il va vous faire un prank aussi. D'accord, ouais, attends. Fais-lui un prank. Vas-y, fais-lui un prank. Voilà, je les prank. Allez, bonne journée. Tu te remettras de la vie, Crawling. Vu que t'es modo, tu peux te remettre de la vie. Vas-y. Ou pas? T'es un prank, c'était juste pour voir quand je prenais une voiture et que je roulais sur les gens, comment ils réagissaient. Ouais, bah ouais, c'est sympa comme prank, ouais. Je pense que ça va faire des vues sur YouTube. Hein. Dans la vraie vie, tu vas écraser des gens et tu leur dis: mais les gars, c'était un prank. C'était pour voir comment ils réagissaient. Regardez, ils ont mal réagi, ils sont morts. Je comprends pas. C'est genre. Des malades, les gens. T'as fait un ticket friki. Oui, c'est un gars qui est venu dans ma maison mais qui a fait un assaut genre sans prévenir nulle part. Ok. J'ai un rec. Vas-y, il avait pas de name RP. J'ai perdu mon printer 5 étoiles. J'ai fait des sommations. T'as un rec, bah justement écoute son rec. Regarde son rec, tu vas voir que j'ai bien fait les sommations. Mais j'ai pas ping ou je sais pas quoi. J'ai juste un truc à dire, moi. J'ai fait des sommations, vous avez kidnappé le parrain. Vous avez kidnappé le parrain, les gars. J'étais mafieux, je vous ai vu kidnapper le parrain. Ok, d'accord. Et même si tu fais des sommations et que t'es à 15 000 mètres de moi, je t'entends pas. J'étais pas à 15 000 mètres, j'étais devant toi. Et regarde le rec, tu peux voir que j'ai fait 40 000 sommations. J'en ai fait 40 000. Regarde le rec, s'il te plaît. Hop là, j'ai mon printer 5 étoiles. Hop là, je parle. Voilà, regarde. T'as vu où je tranquillement et genre, regarde, il y a zéro sommation avant. L'époque de V-Life. Enfin, de V-Life, bah oui. À l'époque de l'ancien serveur de Verdos, là. ouais, attends. Bah oui, je jouais à Bob Twitter Pay, ça le fout. J'étais sur Enix, je pense, à ce moment-là. Non, à ce moment-là, gros. Là, il va arriver, là, c'est ça? Il était sur Ethereum à ce moment-là, gros. Ouais, il va arriver maintenant. Il était toujours pas. Il était toujours pas. Attends, est-ce qu'il y a Quentin Boltov dans. T'as vu, là, j'entends, ça tire sur ma porte. Ouais, dans le serveur 2. Là, je regarde mon table. Bon, après, il est caché dans le table, ouais, mais je suis en train. Là, on parle de toi. Et là, ça me tire dessus, t'as vu? Il y a zéro sommation, d'accord. Ok, maintenant, c'est pour ouvrir la porte. Là, j'ai zéro shoot, du coup, je rate. Deuxième sommation. Moi, je fais des sommations parce que je suis un bon RP. Ah oui, en effet, il y a zéro sommation, il rentre, il tire direct en fait. T'as vu, moi je récupère l'argent de mon printer parce que vas-y, l'argent c'est plus important. Bon, là il me met une balle, toujours j'ai 16 HP. Putain de merde, ils sont deux. Là j'ai muté mon père. Et là je suis mort. Et je joue un pain de. Voilà. Ok. Bon, du coup, moi j'ai regardé le rec et en effet, tu rentres dans la maison sans aucune sommation, tu rentres et tu tires instantanément partout, mec, hein, dans le rec, hein, on le voit bien. J'ai fait 10 sommations, je suis rentré à l'intérieur, j'étais dans le garage, j'ai fait des sommations, son pote il est venu m'attirer dessus. Tu peux voir dans le rec qu'ils ont tiré aussi, tu peux même guetter dans les logs, non, dans le je t'envoie rec, l'heure, le rec, moment dans exactement auquel ça s'est passé. Dans le rec, on te voit, tu défonces ouais, la porte. Je m'en fous, tu vas me dire, tu... Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit dans le rec j'ai un fusil à pompe? Non, lui il a un fusil à pompe, lui dans les mains il a un fusil à pompe quand tu rentres dans la maison. Et il faisait quoi avec son fusil à pompe? Il faisait quoi avec son fusil à pompe? Il était où? Il était à la fenêtre? La porte. Non, t'étais en train de défoncer la porte, il t'attendait, il était en train de faire ses printers en fait juste avant. Donc j'ai fait les somas avant la scène. Est-ce qu'il t'a montré le rec quand j'étais devant?
Il a fait plusieurs en fait, sommas pour qu'il libère en fait, le parrain. Il n'entend pas, il y a aucune sommation qui émerge de son rêve. Si, il m'a répondu, je te dis qu'il m'a répondu, son collègue il était là, il m'a répondu. Bah, tu vas pas me faire passer pour un fou, il a dû t'envoyer qu'une partie du rec. La scène elle était longue. Mais frère, ton collègue m'a répondu, ton collègue qui a pris le parrain en otage, il m'a répondu. On fait quoi? Ton collègue ne fait pas de sommation. Eh mais moi ce que je t'explique c'est que ton collègue qui a pris le parrain en otage, je lui ai fait une sommation, il a sorti son arme, il m'a dit arrête de me couper la parole s'il te plaît, arrête de me couper la parole. Mais gros arrête de faire le malin frère, si je suis en train de rager, t'es juste en train de rager, d'accord. Verdo j'ai ban pas, si tu veux contre le ban, s'il te plaît le ban pas, j'ai un truc à dire. Tu sais quoi, on va faire un truc, tu vas regarder mon rec, écoute, j'étais en discord avec un collègue, il est en train de dire que t'es mafia américaine ou italienne au moins. Donc t'as juste braqué la mauvaise personne. Mais frère, ça y est, le mec était parrain, le mec, et je vous ai vu kidnapper mon parrain mais devant ça, même mon collègue. Il est en train de me dire que t'es mafia italienne ou américaine. Mais tu me parles de quoi toi? Tu veux pas regarder dans les logs, c'est plus simple. Moi les je gars, te c'est vois pas rentrer, pro, tu c'est pas pro, c'est pas pro du tu tout. Tu fais vas-y. N'importe quoi, bah écoute, c'est pas pro, mec. Mais il s'est passé une scène avant, il s'est passé une scène avant. Tu me dis, je fais n'importe quoi. Tu vas me dire, je suis rentré dans la maison, j'ai tiré sur la porte et je suis rentré, je l'ai tué comme ça. Tu vas me dire, il s'est rien passé avant. 1, 2, 3, 4, 5, il a pris. Non, mais lui, il est ban. Sinon, j'ai arrêté de faire. Vas-y, réponds à ta question. T'as Siwan en 3 jours. Moi, tout ce que je vois, c'est que tu sais pas RP et que t'as beaucoup de choses contre toi et que tu parles beaucoup de choses. Attends, j'ai une question, réponds sincèrement. Tu vas me dire que je suis venu dans ta maison, j'ai tiré sur la porte, je suis rentré, je t'ai buté. C'était ça bonsoir, la scène. Oui. Gros, j'ai 3 heures de rec. Tu veux les voir les 3 heures aussi? Ouais, c'est bon, j'ai la flemme. Allez, vas-y, bonjour à vous. Il a 6 warns pour les mêmes trucs. C'est bon, frère. Je passe à autre chose. Ah, il parle trop mal en fait. Il parlait trop mal. Il faisait trop le mec. Tout son casier. Tu vois que le mec, il a pris 4 warns en 2 jours. 4 warns en 2 jours. Assaut le comico tout seul. Insulte les admins de fils de pute. Non, mais tout va bien quoi. Tout va bien quoi. En plus, le pire, c'est que là, il aurait pas été de mauvaise foi. Il aurait juste pris un warn. On en parlait plus. Exactement. Genre c'est juste que là il a trop fait le fou tu vois, genre moi quand tu fais le fou comme ça c'est bon, j'ai autre chose à foutre en fait.